I try to have a nice day and every day, but as I'm thinking and every day I tell them in my future, in my past, then I could write my story, and this is the life for about 8 years, 9 years. Je le vois toujours en train d'écrire avec plein de cartons. Je suppose qu'il a toujours plein de papiers dans ses cartons toute sa vie, en fait, depuis 9 ans qu'il est là. Alors maintenant, il a peur de partir parce que l'aéroport de Roissy, l'aérogare de Roissy, le service médical, les personnels de l'aéroport sont devenus son unique et seule famille. Et comme il ne gêne personne, Alfred, il n'y a aucune raison qu'il quitte l'aéroport et qu'il n'intéresse personne à l'extérieur, à part vous, à part la police, la douane, la gendarmerie et les personnels des compagnies et des sociétés de l'aérogare numéro 1. Alfred n'intéresse personne. C'est un individu, un homme sans importance collective. Bonsoir, monsieur. Voilà, j'ai pas mon passeport, j'ai rien. J'avais mon sac, un petit sac, et on m'a tout pris, mon passeport, enfin tout. Vous avez même pas une carte d'identité, un permis de conduire? Mais non, c'était dans mon sac et tout est parti, papier, argent, carte de crédit, carnet de chèque, enfin tout. Ils m'ont même pris mon manteau et aussi mes chaussures. Où ça, dans l'avion? Non, à Montréal, à l'aéroport, juste avant de monter dans l'avion. Après le contrôle des passeports, ils nous ont fait attendre et moi j'avais mal aux pieds, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis allongé sur une banquette et je me suis assoupi, je sais pas, 5 ou 10 minutes. Heureusement, j'ai entendu qu'on appelait les gens et là j'avais plus rien. Et à Montréal, ils vous ont laissé partir sans passeport? Non mais je ne l'aurais pas dit, sinon j'aurais raté l'avion et comme on m'attend ici, je suis monté, je me suis dit que j'arrangerais tout ici parce que j'ai les deux nationalités, de toute Quelle façon. Nationalité? Française et canadienne. Mon père est français, mais moi je suis né au Canada et comme là-bas, c'est mais le vous seul... vivez où? En France ou au Canada? Non, en Italie, à Rome. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, vous changez de fil, je vais pas pouvoir vous prendre. Excusez-moi, c'est compliqué. Excusez-moi. Bon, on va essayer d'être simple maintenant. Vous vivez à Rome, vous voyagez sans papier et vous voulez déclarer à Paris qu'on vous les a volés à Montréal, c'est ça? Oui, si vous voulez, oui. Ah, mais moi je veux rien du tout, monsieur. Vous vous présentez sur le territoire français sans papier. Vous êtes en situation irrégulière et vous venez me... Comment ça en situation irrégulière? Puisqu'on m'a tout pris. Ben, il fallait déclarer le vol là-bas, pas ici. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Mais enfin, qu'est-ce que ça fait, puisque je suis français aussi? Le motif de votre voyage à Montréal, c'était quoi? Vacances à faire? Non, la famille. Je suis allé voir mon père, il est très âgé, il vit tout seul là-bas. Et en hiver, il ne voit plus personne, à part moi. En clair, vous êtes... Enfin, vous dites que vous êtes un Français né à l'étranger, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai les deux passeports, français et canadien. Enfin, j'avais, puisque forcément, maintenant, j'ai plus rien.
Znaversky. Suivez-moi, s'il vous plaît. Pendant que vous étiez dans les airs, un coup d'état militaire a eu lieu dans votre pays. La République de Cracovie a de nouveaux dirigeants. Cracovia. Je ne crois pas qu'ils comprennent. Où puis-je acheter chaussures Nike? J'ai besoin de votre passeport aussi. Oh, ok. Non, merci. Non. Monsieur Znaversky, derrière ces portes, c'est le sol américain. Vous ne devez pas sortir de ce bâtiment. Il y a un homme qui se balade dans le terminal en peignoir. Je crois qu'il est CIA. Tu sais pas ce que tu racontes, ce type sait même pas parler notre langue. J'ai aidé vous. Vous habitez dans les environs? Oui, porte 67. Parce que nous sommes extrêmement pointilleux sur la ponctualité. Vous avez dit porte 67? Nous on joue pas d'argent, on joue des trucs qui sont pas réclamés aux objets trouvés. C'est un étalon sauvage. Tu m'aides à gagner son cœur et tu n'auras plus jamais faim. Officier, mon ami dit vous êtes un étalon. Vous... Quoi? Comme cheval. Ne franchissez pas la ligne jaune. Opa, ça est à vous. Merci. Vous rentrez chez vous? Non, je suis retardé longtemps. Vous êtes le genre de femme qui peut avoir tous les hommes qu'elle veut. Pourquoi Viktor Znaversky? Ça, c'est une chose qu'un homme comme vous ne pourra jamais comprendre. Ça ne vous donne pas l'impression de vivre dans un aéroport ?